Nous voulons rassurer et assurer un développement participatif. Nous voulons avoir l'adhésion de ces braves populations, accompagnées de leur président de conseil de quartier. C'est pour ce faire que nous ne pouvions pas aller sans budget, nous ne pouvons pas aller sans des actions planifiées. À ce titre, le PDL dont vous faites cas, nous sommes au niveau du diagnostic simplement. Diagnostic pourquoi? Parce qu'il faut aller en profondeur. Nous avons élaboré des fiches d'enquête qui sont allées jusque dans les quartiers, les secteurs, les carrés. Il y a eu remontée d'informations que le consultant est en train d'analyser. C'est suite à ces derniers travaux que nous allons comprendre, selon la cartographie des problèmes, où il faut agir en école, où il faut agir en poste de santé, où il faut agir en désenclavement ou en sécurité des populations. Ce budget qui est adopté maintenant va nous aider à supporter les frais de mission de cette délégation pour pouvoir faire les différentes actions d'urgence programmée. Nous n'avons pas de PAI parce qu'on n'a pas de PDL, mais nous avons programmé des actions d'urgence. Ce sont ces actions d'urgence dont la sécurité, l'assainissement. C'est grâce à ce petit budget programmé d'ici la fin de l'année que nous allons réaliser ces quelques activités programmées. La rencontre a été une rencontre très porteuse. Et les documents présentés sont des documents qui sont élaborés avec beaucoup de sérieux. Et le président de la délégation spéciale a fait cas à des rencontres très bien, qui ont porté pour la commune. Étant une nouvelle commune, le budget qui est élaboré, c'est un budget que nous jugeons de budget réaliste et réalisable, parce que le montant qui est dégagé, n'est-ce pas, au niveau de total, général des recettes réelles, c'est un budget qui vraiment pourra permettre à la commune de démarrer sous de bonnes bases, avec des éléments que nous avons trouvés ici. Les différents intervenants n'ont pas manqué à les souligner, les actions qui ont été, n'est-ce pas, dégagées, c'est des actions qui pourront être réalisées. Bien entendu que des problèmes surgissent, mais je crois que ça va leur permettre vraiment d'arriver à bout. Nous recommandons à cette commune, n'est-ce pas, de vraiment s'appuyer sur les conseils de quartier et les différents membres des secteurs et des carrés, parce que c'est à eux où il y a, n'est-ce pas, la mobilisation se fait. Et à ces différents acteurs, il faut aussi ajouter, n'est-ce pas, des partenaires sociaux pour permettre à mieux sensibiliser la population afin de davantage mobiliser des ressources pour que les actions issues de ce budget soient, n'est-ce pas, réalisées au bénéfice des populations de Lambayi.